Nouveau sur la chaîne. En étant membre de cette chaîne, accédez aux séries de questions d'examen théorique, aux vidéos complètes de cours de théorie, ainsi qu'aux vidéos programmées, visibles avant leur sortie. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. En voici un extrait. Question 1. Je vais rejoindre l'allée latérale et passer sous le pont. Réponse A. Je peux démarrer, mais je dois marquer l'arrêt avant les rails de tram. Réponse B. Je dois attendre que les deux signaux lumineux soient verts avant de me mettre en mouvement. Réponse C. J'ai priorité sur les véhicules sur rail. Réponse C. Question 4. Sur cette chaussée à deux sens de circulation, la visibilité est excellente et aucun véhicule n'arrive en face. Réponse A. Le véhicule turquoise peut tripler, il y a trois bandes de circulation. Réponse B. Le véhicule turquoise ne peut pas tripler. Réponse B. Question 12. Je peux stationner. Réponse A. Devant mon entrée carrossable si je suis propriétaire ou locataire. Réponse B. Devant mon entrée carrossable si mon numéro d'immatriculation est reproduit sur l'entrée. Réponse C. Devant l'entrée carrossable de mes voisins s'ils me donnent leur autorisation. Réponse B. Question 14. Dans cette situation, à la vitesse maximale autorisée en région wallonne, la distance de sécurité entre mon véhicule et celui qui me précède doit être d'environ. Réponse A. 90 mètres. Réponse B. 110 mètres. Réponse C. 170 mètres. Réponse B. Question 24. Puis-je dépasser ce tram par la gauche? Réponse A. Oui, si la voie est libre en sens inverse. Réponse B. Oui. Réponse C. Non. Réponse C.